Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la deuxième partie du voyage astral. J'avais déjà énoncé dans la partie précédente ce qui s'était passé, donc mon expérience personnelle, ce que j'avais déjà vécu et comment ça s'était passé pour moi. Donc voilà, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour moi et comment je vois les choses. Donc en fait, le voyage astral, ce n'est pas quelque chose qui se produit réellement de la même façon pour une personne que pour une autre. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment pareil. Donc une expérience à l'autre peut être vraiment très différente. Alors pour moi en fait, donc quand je pars en voyage astral, donc je pars assez souvent. Donc je vais dire je fais des voyages astraux assez souvent, même si ces derniers temps j'ai fait une petite pause pour justement me reconnecter un peu plus terre à terre. Donc ce qui est important de savoir, c'est que comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est important d'être dans un état serein, donc zen, détendu, pour bien pouvoir se connecter à ces mondes supérieurs qui sont vraiment très intéressants dans un premier temps parce que c'est là qu'on va vraiment reconstruire le puzzle et ce que l'on a toujours cherché ici sur Terre, comprendre réellement que voilà, nous sommes ici, mais nous sommes aussi sous plusieurs plans. Donc, comme on dit toujours, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc nous sommes pas spécialement que ici dans ce corps. Ici dans ce corps, nous sommes ici dans un corps physique et ce corps physique est notre véhicule ici pour nous déplacer en fonction de la troisième dimension qui est une dimension matérialisée. Alors ce qui est bien de savoir, c'est que bien tout le monde peut faire des voyages astraux, mais il va falloir comme j'ai toujours dit, faire un gros travail, donc un travail de transmutation de nos émotions, de notre façon de se comporter en fonction de certaines situations. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir travailler un maximum sur la détente, la méditation. Ça peut être en fait ce qui vous convient le mieux, vous adapter en fonction de de votre vie quotidienne. Selon votre temps aussi, selon toutes ces choses. Alors, je me suis préparé un petit jus de carotte, je sais ça n'a rien à voir, mais pour passer ce petit moment avec vous, donc j'ai un extracteur de jus et pour commencer cette belle après-midi, rien de tel que le plein de vitamines. Alors, un bon jus de carotte et puis je démarre vraiment dans la simplicité, cette vidéo. C'est vraiment excellent. Merci la nature, merci l'univers de nous apporter de si bons ingrédients dans notre vie quotidienne. Alors, les voyages astraux, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma vie quotidienne parce que ça m'a permis d'évoluer, de comprendre certaines choses dans la sagesse, dans beaucoup d'autres choses. Et donc, le voyage astral va permettre à nous de nous sentir dans un état de liberté totale. Donc ce que l'on a toujours recherché à travers les choses que l'on nous donne entre guillemets ici sur cette terre, mais
Voilà, donc le voyage astral nous permet d'atteindre cette liberté, cette plénitude que l'on a toujours recherchée à travers les âges, à travers toutes ces époques passées. Donc en fait, ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, donc ces intéressements au monde parallèle, au voyage astro, etc., ce sont des choses qui ont toujours existé. Dans tous les temps, dans tous les âges, dans toutes les civilisations anciennes. Mais pendant une période où il y a eu beaucoup de choses ici sur Terre, on nous a enlevé petit à petit ce savoir et cela a permis de nous maintenir dans un état de stand-by, donc comme si on a un peu été gelé de nos capacités extrasensorielles. Voilà, le voyage astral, ça permet vraiment de se sentir en toute liberté, en toute plénitude, et c'est vraiment très 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 important de se sentir dans cet état-là. Donc toujours de nouveau, ce qui m'a permis aussi de me connecter à ces mondes subtils, c'est aussi la purification de mon corps physique comme j'avais parlé avec l'alimentation en mangeant le prana en pleine conscience dans mon alimentation ça va vraiment beaucoup plus vite réétablir l'organisme pour qu'il puisse vivre en harmonie voilà avec la nature. Donc manger en pleine conscience c'est quelque chose de très important. Donc manger l'aliment en étant conscient que la vie est intégrée dans les aliments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous aider dans notre vie pour justement nous connecter à tous ces mondes supérieurs. Alors, pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus de mal à nous connecter à ces mondes-là? Bien, c'est tout simplement parce que comme on nous a retiré ce savoir, nous avons comme une sorte de voile. Et ce voile, j'appelle ça le voile de l'ignorance, ou un voile qui va filtrer cette belle lumière, c'est le voile de l'oubli, vraiment un voile qui est là en permanence et qui nous empêche de voir vraiment la réalité de ce monde et de ces mondes-ci. Alors, ce qui est vraiment donc intéressant de savoir, c'est que dans les mondes où l'on peut voyager, c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment selon le travail de la personne que la personne va se connecter dans les mondes, dans son état émotionnel. Donc si moi je ne conseille pas à une personne qui est pas bien dans sa peau de commencer à essayer de faire des voyages astraux parce que ça va vous décourager. Vu que si vous êtes dans un état de peur, encore selon certaines croyances, etc., que vous n'avez pas encore cette capacité de vous raccrocher à une belle lumière pour vous protéger, je veux dire, dans ces mondes-là, vous allez voir vraiment ce dont vous êtes ici. Donc si vous avez peur d'araignées, de monstres, du diable, de toutes ces choses-là, bien, quand vous allez vous connecter dans les voyages astraux, quand vous allez sortir de votre corps, ben vous allez voir toutes ces choses-là. Donc, il est préférable vraiment de retrouver un état de bien-être intérieur pour pouvoir justement voyager plus sereinement, même si en ayant déjà travaillé sur nous, quelquefois des choses. Vont quand même apparaître d'ordre voilà dramatique, comme je disais, ça peut être un peu traumatisant de voyager en astral selon notre état émotionnel. Donc vraiment avoir un bon état émotionnel pour commencer à apprendre et intégrer cette nouvelle façon de vivre qui a toujours été là, mais qui est un peu nouvelle pour nous aujourd'hui.
C'est vraiment la chose la plus importante, c'est de vraiment se rendre compte que en fait tout est interconnecté, tout est conscience, tout est énergie dans le monde, et que quand nous sortons de notre corps, nous sommes aussi une sorte d'être éthérique qui est une énergie subtile. Donc une fois sortis de notre corps, tous les êtres physiques qui n'ont pas atteint certaines capacités sont dans l'incapacité de voir. Voilà, donc il y a des personnes sur cette terre qui ont développé des capacités de pouvoir voir les esprits, certaines choses d'ordre invisible, comme parfois des âmes qui sortent de leur corps et qui voyagent. Donc il y a des personnes qui peuvent les voir, mais aussi parfois rien que les ressentir. Voilà, avoir un pressentiment que un esprit ou quelque chose comme ça est pas loin de nous. Donc, jamais avoir de panique. Il faut vraiment sortir de la peur. La peur est quelque chose qui nous enferme depuis très longtemps. Vous voyez de part et d'autre que beaucoup de choses sont basées sur la peur et un petit peu trop aujourd'hui, je pense, à mon goût. Voilà, j'entends fais attention à ci, fais attention à là, à tout va. Et c'est devenu vraiment de la paranoïa parce que ben en vivant dans ces façons-là, ben on fait plus rien parce que c'est vraiment le contraire de ce que l'on est venu faire ici sur notre terre, c'est de vivre dans l'amour. Donc essayez vraiment un maximum de travailler sur toutes vos peurs parce que de toute façon, les peurs aussi grandissent avec la nourriture qu'on leur donne. Donc si on a peur du diable, bien au fur et à mesure qu'on est avec des personnes qui parlent du diable, ben cette énergie va se nourrir à l'intérieur de nous et le diable va paraître de plus en plus méchant, de plus en plus grand et de plus en plus difficile. Ce sera un obstacle vraiment de plus en plus difficile à vaincre. Donc dans tous ces éléments que je vous donne, j'espère que vous allez pouvoir reconstruire quelques petites parties manquantes de votre puzzle pour évoluer de plus en plus. Donc nous sommes vraiment tous capables de faire des voyages astraux, je le répète, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire comprendre et qu'il n'y a vraiment rien de mal à faire les voyages astraux. Cela fait partie de notre être subtil, de notre être véritable, pas ce corps, l'être qui vit dans ce corps, cette belle lumière qui est en nous. Doit sortir, doit voyager, et c'est pour ça, tout simplement, que nous faisons déjà des rêves normaux la nuit. C'est parce que notre être a envie de partir voyager selon ce qu'il a vécu dans sa journée. Voilà. Très important donc d'être dans un état émotionnel serein, dans la zénitude la plus totale, avant de pouvoir partir dans les voyages astraux. Donc dites-vous bien que si vraiment votre travail n'a pas été vraiment dans les profondeurs, que vous avez encore des peurs, etc., et que vous allez quand même en voyage astral, il va vous arriver des choses. Donc si vous avez peur, ben tout simplement demandez à vos guides, à Dieu ou etc. de vous aider et vous allez directement revenir dans votre corps. Normalement, il n'y a aucun souci. Moi, je ne fais plus tout ça. J'essaye en général de justement vaincre l'obstacle qui est devant moi parce que c'est ça le but aussi. C'est de pas. Mais il peut arriver qu'on ait vraiment très 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 peur, alors priez, méditez, demandez à vos guides, à vos anges gardiens de vous aider et vous allez revenir de toute façon. Comme je disais dans ma vidéo précédente, dans ces mondes-là, on revient toujours indemne. Donc on est relié à une sorte de fil invisible.
comme un cordon ombilical. Et donc, même dans les rêves, si par exemple, on rêve que quelqu'un va nous tuer, en général, on revient toujours, notre esprit revient toujours dans notre corps avant d'être mort. Donc nous sommes jamais morts dans les rêves, et c'est une partie de la réalité, c'est que voilà, donc quand notre corps meurt, l'esprit est toujours là, et ça change beaucoup de choses dans la vie, parce que imaginez-vous si tous les êtres humains sur cette terre étaient capables de comprendre cette belle vérité de ce monde. Bien, les gens ne vivraient plus comme nous vivons aujourd'hui, en disant de faire le maximum aujourd'hui parce que voilà, on n'a qu'une vie, etc. Voir les choses de la façon où je vois aujourd'hui le monde, voilà, fait de nous des êtres pas invincibles, parce que je vais mourir comme tout le monde de ce corps. Mais fait de nous des êtres forts, des êtres qui sont comme des guerriers de lumière. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles, dans cette vie-ci, nous n'aurons plus peur, et sera remplacée par cette magnifique force qui est l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour que l'on peut donner autant aux plantes, autant aux animaux, autant à nous-mêmes, surtout ne pas nous oublier nous-mêmes, hein, parce que ça c'est très important. Mais vraiment, toutes ces choses-là sont vraiment magnifiques, et c'est important. Donc, personne sur cette terre, ni moi, détient la vérité. Faut bien se dire que si dans votre parcours spirituel, dans votre parcours éthérique, etc., vous rencontrez des gens qui vous disent, qui détiennent la science infuse, la vérité ultime, etc., c'est pas vrai. C'est des entités de basse vibration, des parasites qui s'amusent avec eux, et qui leur font croire certaines choses qui ne sont pas réelles. Personne n'est élu réellement, personne n'est initié par rapport à d'autres. Tout le monde est appelé, tout le monde peut s'initier à telle ou telle chose, mais il n'y a pas de personne ultime qui est plus dans la vérité que quelqu'un d'autre. Chacun travaille, chacun apporte des complémentarités aux autres, les uns les autres, on s'entraide, et même si une personne a plus de savoir, de sagesse qu'une autre, cet autre qui a moins de sagesse va pouvoir lui apprendre d'autres choses qui sont aussi importantes. Donc on est tous complémentaires, avec des sagesses et des savoirs différents. Ça, c'est vraiment très important de se mettre sur une échelle stable, une balance stable, et ne pas se prendre pour le centre du monde. Et voilà, donc vraiment, tout est énergie, tout est conscience, tout est interconnecté, et tout est vraiment lumineux. Comme tout ce qui est énergie dégage une lumière, qu'elle soit visible ou invisible, tout ce qui est vraiment énergie dégage un champ électromagnétique qui est lumineux, parfois pour d'autres plans. Alors moi, je voyage en astral depuis maintenant quelques années, et je vais vous dire que j'avance de plus en plus dans des mondes subtils. Donc moi, personnellement, j'ai déjà pas mal voyagé dans des mondes qui ressemblent pas aux nôtres, où les couleurs sont beaucoup plus verdoyantes, beaucoup plus prononcées, ou même des couleurs qu'on n'a pas ici sur Terre, que je ne peux même pas donner de nom. Ça, c'est vraiment important de vous le dire. Donc, moi, j'ai aussi voyagé dans des sortes de mondes assez spéciaux. C'est comme des formes géométriques, très colorées, et ça ressemble assez à du fractal, mais qui s'allonge en profondeur. Donc, on peut arriver à un centre, et ce centre est une
pour moi une connaissance alchimique où certains individus sont appelés ici sur Terre pour aller dans ce domaine-là. Il y a d'autres êtres ici sur Terre sont appelés pour aller dans d'autres espaces. Tout dépend de la mission que l'on est venu faire ici sur Terre. Parce que j'ai appris que quand on est des âmes, on choisit un peu, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va faire comme mission qu'on n'a pas réussi à faire dans nos anciens, dans nos anciennes vies. Il est quasi impossible de se souvenir de nos anciennes vies, mais ça se fait. Moi, j'ai arrivé à voir qui j'ai été auparavant, mais on ne peut pas tout voir parce que on peut tout voir, mais c'est très difficile. Mais il est important de savoir que les choses sont quand même bien faites. Parce que dans les anciennes vies que nous avons eues, nous avons peut-être pas été vraiment des êtres sages. Il faut bien se dire que dans chaque plan où nous avons vécu, nous avons peut-être fait aussi des choses qui sont pas très bonnes, pas très belles. Voilà, on a ici sur Terre, comme je vous dis, c'est l'école. Et à chaque fois que l'on revient ici sur Terre, on apprend des nouvelles choses auxquelles nous n'avions pas compris auparavant. Et voilà. Donc, selon notre mission, on vient ici sur Terre et on avance dans la joie et la bonne humeur, quelle que soit notre mission. Aucun jugement doit être porté sur notre prochain, même si c'est une personne qui, au fond, de par les enseignements que l'on a reçus dans notre société, serait une personne qui a commis des choses graves. Nous ne devons pas porter jugement sur ça, sur ce que certaines personnes ont pu faire. Je sais que c'est pas évident à comprendre, je vais peut-être déjà très loin, mais dites-vous bien que cette personne peut être c'est une partie de nous. Donc et que au final cette personne qui a commis des choses graves sur cette terre sera peut-être mieux que moi dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc vraiment ne portons pas de jugement, il est préférable pour nous de rester vraiment très large d'esprit et voilà, mais ne pas non plus coopérer et d'être vraiment copain-copine avec des personnes qui font des choses pas bien. Mais aimer quand même de loin ces personnes, parce que ce sont des parties de nous, et nous ne savons pas, sous certaines pulsions humaines, ce que nous pourrions faire, par exemple, si on aurait séquestré, par exemple, notre enfant et le violer et puis le tuer et qu'on aurait affaire au criminel qui a fait ça. Je ne sais pas si nous-mêmes, nous ne serions pas capables, par vengeance, de faire des actes, voilà, des actes de meurtre ou etc. Donc voilà, dites-vous bien que selon certaines circonstances, il peut se passer des pulsions chez nous, à l'intérieur de nous, et que pour atteindre une zénitude totale, il faut vraiment travailler sur nous, et c'est très difficile. Donc vraiment, quand on sait que on ne meurt que de corps et non pas d'esprit et d'âme, bien, on voit les choses beaucoup plus différemment. Et on va pouvoir vraiment avancer différemment aussi ici sur Terre. Mais vraiment pour comprendre tout ce que je raconte dans la globalité, bien il faut quand même voilà vraiment éliminer toutes ces fausses croyances qui sont vraiment ancrées en nous. Hein. C'est quelque chose de vraiment difficile à se débarrasser. Et je vous le confirme parce que même moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, comme j'ai encore beaucoup de choses bloquées, de blocages à travailler. Mais voilà, quand on fait ce travail sur nous, il faut aussi
faire des pauses pour reposer l'esprit, le mental. C'est très important parce qu'après, on peut aussi pas perdre la tête, mais être très fatigué psychologiquement. Et donc, on a vraiment besoin d'être bien. Donc, faire des pauses, comme moi ici, pour le moment, je fais des pauses au niveau de mes voyages astraux. Donc, je disais que je voyageais dans des sortes de formes géométriques. J'ai pu aussi voyager dans le passé et j'ai pu aussi voyager dans le futur. Donc j'ai pu voyager dans le passé et même aller chez certaines personnes et voir certaines choses qui ont un impact comme des choses qu'il y avait à l'intérieur de leur maison et que je suis par exemple la seule à le savoir. Et je peux alors le dire, et évidemment, comme c'est plus facile à croire pour ces personnes que je leur dis, ben tiens, toi, je t'ai déjà vu dans ma vie, j'ai déjà parlé avec toi en sortant en astral, et effectivement, les personnes ont besoin de preuves, et selon mes souvenirs, parce que je note aussi beaucoup de choses. Selon mes souvenirs, ben, je dis à la personne, voilà, il y avait telle et telle chose, par exemple, dans ta salle de bain. Je peux décrire, par exemple, la maison de cette personne sans jamais avoir été. Voilà. Donc, vraiment, on peut faire énormément de choses. Je parle aussi très souvent à ma maman à travers des rêves lucides, donc des rêves où je peux contrôler. Donc là, c'est pas vraiment une sortie hors du corps ni un voyage, mais pour moi, tout est une grande famille dans ces domaines-là. Tout est vraiment le voyage astral, les sorties hors du corps. Voilà, toutes ces choses-là ont une très grande ressemblance, les rêves lucides et les rêves conscients. Et voilà, toutes ces choses-là ont vraiment une similarité qui sont du même ordre pour moi. Donc après, c'est pour moi, c'est pas pour ce que des personnes peut-être plus savantes et plus expérimentées dans le domaine que moi vont peut-être vous expliquer. Mais moi, je vous explique ce que je ressens. Donc, je rêvais de ma mère, donc dans les rêves lucides. Et je peux vous dire qu'à chaque fois je suis dans un rêve lucide avec ma maman, bien je suis au téléphone avec elle. Donc pour moi le téléphone dans le rêve est un moyen de communication. Ça veut dire que je me suis connectée réellement avec elle et que l'on a pu échanger et expliquer voilà, certaines choses entre nous. Comme la dernière fois que j'ai eu ma mère au téléphone dans ce rêve lucide, elle me disait que je lui manquais et je lui ai dit bah, toi aussi tu me manques. Et voilà, donc c'est vraiment magnifique de pouvoir gérer ces rêves-là parce que ben, pour finir, pour moi, ma mère, ben, si j'ai envie de lui parler, ben, je lui parle parce que je sais que son esprit m'entend, son âme est là et entend tout ce que je raconte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultures qui disent il faut pas pleurer les personnes décédées parce que ça les empêche de monter vers la lumière et de pouvoir progresser dans leur parcours. Eh bien, je pense que c'est très très logique en fait comme raisonnement. En tout cas pour moi, je ressens vraiment aussi un apaisement depuis que je ne pleure plus pour même si en tant qu'être humain, il est tout à fait normal d'avoir des sentiments, vous voyez, c'est humain. Je dis pas que voilà sa présence physique ne me manque pas. Bien au contraire, bien sûr que oui, j'aurais voulu l'avoir vraiment le plus longtemps possible avec moi. Mais la vie est faite ainsi et on ne peut pas reculer les choses en arrière. On ne peut pas changer. Voilà, quand c'est le moment, nous devons partir. Bien, nous devons partir. Et
Pour moi, le fait de voir la mort aujourd'hui de cette façon-là, me procure une hygiène de vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse que quand je ne savais pas, que je n'avais pas intégré toutes ces nouvelles choses aujourd'hui. Alors, je ne sais plus comment je vais vous dire, mais le voyage astral, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on peut voyager vraiment partout, on peut rentrer dans les profondeurs d'une chose, ce que j'ai déjà fait une fois. Donc, on peut aller dans la matière et on va pouvoir voir ce que je pense voilà, être les atomes. On peut faire vraiment énormément de choses que même le microscope, par exemple, ne pourrait pas faire. En étant plus que âme, en sortant de notre corps et en voyageant, on peut même voir avec nos yeux que c'est pas la même vue du tout. Donc les couleurs, etc. Tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus précis. Donc on va pouvoir vraiment voir très 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 loin. On est nous-mêmes des microscopes, des télescopes. Voilà, vous croyez que il y a 5-10 000 ans d'ici, les gens savaient déjà où était placée telle planète, où était telle et telle chose dans le ciel, les étoiles, etc. Je veux dire, c'est pas qu'avec leurs yeux physiques qui voyaient ça, c'est parce qu'ils étaient très habitués à voyager en astral et qu'ils pouvaient, ils n'avaient pas les appareils qu'on a aujourd'hui pour mesurer. Et pourtant, on a des travaux hyper précis de toutes ces choses-là. Donc, vraiment, méditons sur toutes ces choses importantes de la vie. Je pense que c'est vraiment important de voir ça, comment ces personnes, il y a 5 000 ans, guérissaient des maladies avec la nature, avec les voyages astraux aussi. Donc, je vous dis qu'on peut aussi aller chercher des petites particules subtiles et les ramener en notre corps et guérir certaines choses. Mais ça demande beaucoup de travail. Moi, je vous vends pas du rêve, hein. Je vous dis réellement ce qu'il en est. Mais vraiment, ça demande beaucoup de travail et que si on veut, on peut. Et on pourra toujours, à partir du moment où on a réellement envie d'atteindre un objectif, bien ça ira de plus en plus facilement, excusez-moi. Voilà, les formes géométriques, des mondes parallèles, où il y a des personnes assez différentes de nous. J'ai déjà aussi été ici sur Terre, dans certaines profondeurs, dans le céleste aussi. Je voyage un petit peu partout, mais je ne sais pas vraiment expliquer. Parce que quand on est dans ces mondes-là, c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué d'expliquer réellement. Le ressenti, la sensation. Vous voyez, quand on voit des choses qui ont une couleur qui n'existe même pas sur Terre, comment on arrive à expliquer, hein? Et comme disait Jésus aussi dans ses enseignements, si déjà on ne connaît pas les enseignements terrestres, comment on peut expliquer, comment je vais vous expliquer les enseignements célestes? C'est ce que disait Jésus. Vous ne comprenez déjà pas les enseignements terrestres, comment je vais faire pour vous faire comprendre les choses célestes? Et c'est vraiment une parole qui est vraiment vraie à l'ordre d'aujourd'hui, quand on voit ce monde comme on vit. Voilà, les personnes qui ont les mêmes choses que moi, et il y en a d'autres qui voient des choses ici en 3D. Ils voient vraiment des orbes, des lutins, des fées, des elfes, des elfes, des gnomes, des choses vraiment que nous ne voyons pas. Et voilà, donc il y a vraiment plusieurs.
comportement selon les missions qu'on est venu faire ici sur Terre. Donc voilà, j'ai dû couper, donc je m'excuse, je vais reprendre comme ça au hasard. J'ai dû couper parce que j'ai eu un petit souci. Je voulais vous dire, parfois si vous me voyez un peu chipoter ou cliquer ou etc. sur mon écran qui est devant moi, c'est parce que mon ordinateur travaille tout seul avec des sortes de publicités. C'est mon conjoint qui travaille avec ça, donc l'ordinateur est obligé de toujours tourner. Donc ce qui fait qu'il y a des publicités qui s'ouvrent, et donc je dois aller les fermer, et parfois elles restent bloquées, et ça me perturbe dans mon travail. Donc je voulais vraiment m'excuser pour les autres vidéos où on me voit un petit peu chipoter, c'est parce que... Après, les publicités se mettent en route et bon, il y a un son et ce son est désagréable quand je suis en train de vous parler. Donc veuillez vraiment être indulgent parce que je vais de toute façon remédier à ce problème. Donc très prochainement, nous pourrons avoir une qualité meilleure de transfert entre nous. Voilà, donc excusez-moi pour toutes ces coupures et je pense que tout ira mieux prochainement quand ce problème sera résolu. Alors, dans les voyages astraux, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'obscurité. Donc, à chaque fois que moi j'ai voyagé, par exemple, chaque objet, chaque chose était lumineuse. Donc il n'y a pas de nuit entre guillemets dans mes sorties astrales. Donc dans tous les endroits où je suis allée, je n'ai vu à chaque fois que de la lumière, que des choses qui sont complètement différentes. Et j'ai pu même revenir dans ma propre maison parfois où les choses n'étaient plus à la même place. Je veux dire, c'était la même maison, mais il y avait un meuble qui m'appartenait pas et qui était dans ma maison, par exemple. Ou alors la porte d'entrée n'était plus à la même place, ou je sais pas, l'endroit où j'allais sur ma terrasse, ben, je devais y accéder par un autre endroit. Donc il y a vraiment des choses qui changent en fonction de l'espace-temps, de l'espace-temps et aussi de la dimension dans laquelle on va. Voilà, donc tout ce qui est ici est aussi là-bas. Donc ne vous inquiétez pas que quand on déplace une chose ici, ben, on la déplace aussi là-bas. Et cette chose n'est pas aussi pareille que ici. Voilà, elle n'est pas peut-être la même couleur. Voilà, notre perception des choses ici est complètement différente des choses là-bas. Donc il n'y a pas d'obscurité dans mes voyages astraux. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais si vraiment dans ce que je dis, il y a quelque chose qui vous interpelle, vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à me les poser. En général, je réponds toujours aux messages. Donc, laissez un commentaire ou sur Facebook en message privé. Il n'y a vraiment aucun souci, aucun dérangement. Bien au contraire, je suis là pour que l'on puisse s'entraider et avancer dans la joie et la bonne humeur et surtout dans l'amour inconditionnel. Voilà, il n'y a pas d'obscurité, il y a vraiment toutes ces choses qui sont différentes. Donc moi, comment je fais? Quand je me sens bien, quand je me sens reposée, quand je me sens vraiment zen, je prends une douche, je me fais propre, zen, le plus pur possible. Je monte dans ma chambre sacrée, là où tout, c'est un endroit, c'est ma chambre où je fais mes sorties hors du corps, mes méditations, etc. Donc je m'allonge sur mon lit, le dos bien droit, et je mets parfois une petite musique vibratoire pour détendre, pour essayer de calmer mon mental. Une fois le mental calmé, je vais commencer à ressentir que j'ai des sortes
Petit picotement, une sorte d'anesthésie qui commence. Vous savez, quand on va chez le dentiste, on commence à sentir que ça fourmille un petit peu quand ça se réveille. Ben moi, j'ai le même quand ça sent, quand je commence à sortir de mon corps. Je sens tout ça, je sens que tout devient raide parce qu'en fait, c'est la paralysie. Donc, tout devient raide, j'ai les picotements et puis tout doucement, j'ai cette décorporation. Ça ne fait pas mal, ça ne fait ça ne me fait pas peur, même si au début voilà, on ne sait pas contrôler de toute façon. À partir du moment où on a un état méditatif très très neutre, bien là de toute façon notre âme veut sortir. Donc no notre corps éthérique veut sortir et veut voyager et veut explorer parce que c'est pour ça entre guillemets qu'il est venu ici sur cette terre. Voilà, notre être véritable est venu ici sur cette terre pour explorer les choses que l'on ne peut pas explorer tant qu'on n'est pas venu dans un corps physique. Et voilà, donc faites attention aux basses énergies, hein, parce que les énergies négatives, ce qu'on peut appeler des djinns ou des esprits négatifs, des petits démons ou des choses comme ça, ils sont là pour vous faire croire que vous êtes une personne importante dans le sens que c'est vous la meilleure, que vous êtes un élu, que vous allez diriger le monde tout seul. Donc ça, c'est vraiment, faites attention quand ça vous vient des choses comme ça à l'idée, reprenez la pleine conscience, donc dans le ici et maintenant, et dites-vous que voilà, non, parce que c'est vraiment important, parce que sinon on peut partir vraiment dans la folie, hein. Il faut vraiment rester zen, calme et relatif à toute chose. Nous sommes tous pareils ici sur Terre, nous sommes tous des frères et sœurs. Et comme je dis, on a des capacités différentes, mais complémentaires. Il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Chacun fait des choses différentes. Voilà, j'ai pu aussi, en voyage astral, rencontrer des civilisations anciennes qui ressemblent vraiment à nous. Je veux dire la morphologie, le physique, etc. Voilà, ils sont un peu plus grands, il y a quelques petits détails au niveau de l'ossature du visage, toutes ces choses-là. Donc, il existe des autres plans. Il existe vraiment des choses auxquelles on peut vraiment voyager et que c'est merveilleux. Mais tout se joue sur nos émotions, comme je disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, fiez-vous à votre état émotionnel, parce que si vous avez un état émotionnel, que vous avez peur de tout, que vous avez peur de sortir, parce que vous pensez à que quelqu'un va vous agresser ou des choses comme ça, ne partez pas en astral maintenant, parce que vous allez voir que des entités. Les entités savent si vous êtes quelqu'un qui a peur ou pas. Donc si vous êtes quelqu'un qui a peur, ben, miam miam, elles vont se dire, ah ici, on va pouvoir bloquer une âme qui commençait à comprendre, on va l'empêcher de venir voir toutes ces merveilles. Et voilà, donc il faut bien se dire que c'est que ça qu'ils peuvent faire, c'est vous faire peur, vous faire reculer, vous faire revenir dans votre corps et de ne plus jamais vous dégoûter, quoi, et de ne plus que vous ayez envie de recommencer. Donc voilà, n'ayez vraiment pas peur, n'ayez. Travaillez sur vous, devenez vraiment un ouvrier, un travailleur de la lumière. Vous le faites pour l'univers tout entier. Voilà, l'univers est très important. Et voilà, travaillons vraiment, vraiment tous ensemble parce que plus on va unir nos forces dans la même direction et vraiment plus. Cette énergie qu'on ne voit pas va grandir comme une grosse, grosse, grosse boule une grosse boule d'énergie lumineuse. Et là, ben, on aura créé une source d'énergie d'amour inconditionnel et on va pouvoir opérer dans le monde pour beaucoup de choses. Donc, unissons nos forces d'amour, faisons vraiment les choses. Avec le cœur, écoutons notre cœur,
Et dites-vous bien que voilà, tout ça n'est pas bien compliqué. Quand je serai un petit peu mieux au niveau de ma façon de dialoguer avec vous, je referai encore une troisième partie sur les voyages astraux où je vais encore expliquer la continuité de ce que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Alors j'espère que j'aurais pu vous être utile dans cette vidéo et que voilà, que toutes les choses que l'on met en place ensemble sont là pour nous entraider. Donc on est chacun vraiment très complémentaire. On va terminer cette vidéo ici et voilà, je vais vous dire qu'il est important que l'on continue à nous aimer les uns les autres, à nous entraider les uns les autres, de travailler sur tous nos sentiments de jalousie, d'égoïsme, de colère et les transformer en vraiment tout ce qui est de plus positif dans la vie de tous les jours. C'est un travail très important. Et voilà, donc je vous aime très très fort, vous êtes des êtres formidables, même si vous ne le savez pas, moi je vous le confirme, vous êtes tous formidables, qui que vous soyez. Dites-le vous, ne vous reprochez pas ce qui s'est passé dans votre vie. Cela fait partie de votre mission pour mieux pour avoir une meilleure compréhension dans la vie future. Alors voilà, je vous fais plein de bisous et voilà, prenez soin de vous et faites vraiment les choses le plus possible dans le bien, dans le partage et dans l'amour inconditionnel. Voilà, je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime très 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 fort. I love you.